Les décisions de ce bureau de ce matin, à la demande de la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Madame Martine Pinville, le bureau a procédé à la désignation de 4 membres du Conseil pour siéger au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Nous n'avons que 3 membres titulaires de ce Conseil, mais pour un souci de respect de la parité, il nous était demandé de désigner 4 membres, 2 hommes et 2 femmes. Et dans l'ordre, nous allons proposer à la ministre, Madame Edith Arnaud-Bril, Monsieur Patrick Lenanker, Madame Pascale Vion, Monsieur Philippe Dacosta. La participation des conseillers du CESE à cette instance permettra de promouvoir nos propositions émises au sein de notre Assemblée en faveur de ce secteur économique en plein développement, et chacun sait la contribution qu'a eue notre Conseil dans l'élaboration de la loi sur l'économie sociale et solidaire à l'époque avec le ministre Monsieur Hamon. J'ai aussi informé le bureau de la multiplication des initiatives prises par les collectivités locales, notamment en matière de conseils économiques locaux. Le dernier en date, et qui rebondissait sur une des propositions de Pierre Rosanvallon sur notamment une évolution que notre conseil pourrait avoir, la mairie de Paris vient de créer le Conseil des générations futures, Conseil économique, social et environnemental au sein de la ville de Paris. C'est probablement aussi une des évolutions que nous pourrions souhaiter, de faire en sorte que le conseil puisse émettre des avis lorsque des décisions politiques mettraient en péril l'avenir des générations futures. Il est conçu pour être un espace territorial innovant composé de représentants de la société civile et de citoyens tirés au sort. Il est composé de 174 membres à parité répartis en 7 collèges. Je voudrais remercier les rapporteurs qui nous accompagnaient, Madame Ducroux, Monsieur Bonduel, Céline Mesquida. J'avais invité les présidents des commissions de développement durable du Sénat et de l'Assemblée nationale, accompagnés d'un certain nombre de parlementaires. Les débats furent très riches, évidemment autour des débats parlementaires et des propositions d'avis émises par notre Assemblée sur la COP21. Une décision a été actée, à laquelle nous sommes aujourd'hui en train de tenter d'apporter une réponse. C'est de tenter d'essayer de parvenir à une déclaration commune entre nos trois assemblées pour la porter à connaissance des négociateurs de la COP21. Bien évidemment, des commentaires ont été indiqués pour dire qu'aujourd'hui, les retours d'engagement des États sont encore insuffisants pour respecter la limite des 2 degrés et que l'affichage du fonds vert, qui est extrêmement attendu par les pays émergents, est aujourd'hui à un niveau d'étiage extrêmement insuffisant. Je me suis aussi rendu au séminaire de l'Union des conseils économiques et sociaux francophones à Dakar, qui réunissait aussi les conseils économiques africains, pour accompagner la mobilisation de la société civile africaine et francophone pour peser sur les décisions politiques pour les engagements de l'État pour cette COP21 du mois de décembre. Une déclaration a été actée et remise à l'ensemble de la diplomatie, dans lequel, évidemment, nos amis africains, qui sont les plus petits émetteurs de pollution CO2, mais qui risquent d'avoir les dégâts les plus compliqués en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière de foncier, sont aujourd'hui très demandeurs d'une solidarité internationale. Et nous avons très clairement exprimé qu'au-delà du dérèglement climatique, mot cher à M. Fabius, la capacité de réussir ou de ne pas réussir à un accord contraignant opposable juridiquement en décembre, était un facteur d'instabilité de la paix dans le monde et d'instabilité de la violence dans le monde. Et donc, il ne s'agit pas uniquement d'un débat scientifique et technologique. Il y a une capacité de faire émerger une solidarité internationale ou pas. Et c'est un sujet qui, aujourd'hui, interpelle l'Europe dans la crise grecque. J'ai aussi rencontré le président de la République du Sénégal, à laquelle nous avons évidemment porté toute la connaissance de nos travaux et tout l'intérêt qu'il y avait à porter sur les conseils économiques locaux. J'ai aussi fait part au bureau de mon entretien avec le futur président de l'AIE-CESIS, qui était une initiative du CESE français, et pour lequel nous avions pris un certain nombre de distances, compte tenu d'un éloignement ou d'une absence de lisibilité dans les financements, dans le projet politique. Le prochain président, qui doit être émanant du continent Amérique, serait le président dominicain,
qui a été honoré par la République française, qui est quelqu'un qui est un ecclésiastique, qui est quelqu'un de réputé pour ses médiations internationales. Et évidemment, nous lui avons dit que nous ne pourrions éventuellement réviser notre position que si nous étions détenteurs d'un projet très clair, d'une lisibilité très claire et d'une transparence financière exemplaire. Enfin, j'ai fait part au bureau de la teneur du jugement du tribunal administratif de Paris. Vous savez que nous étions dans un contentieux qui opposait M. Ferron au Conseil, celui-ci réclamant un document dit « Technologia ». Et la décision est tombée, très claire. Le tribunal administratif, le 27 novembre 2014, a considéré que le refus par le Conseil économique, social et environnemental de communiquer à M. Ferron un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité. Et j'ai rappelé dans cette affaire que, conformément aux engagements que nous avions pris la secrétaire générale, que j'avais transmis à la secrétaire générale, j'avais très clairement indiqué aux organisations syndicales membres du CHSCT que, bien évidemment, c'était leur avis qui allait m'importer et que je tiendrai compte et je respecterai le souhait qu'ils avaient émis, évidemment, d'avoir une synthèse, une présentation orale et derrière l'édification d'un plan de prévention des risques psychosociaux qui a été prouvé à l'unanimité le 22 septembre 2014 et qui fait l'objet actuellement d'un suivi régulier. Nous avons aussi accepté au bureau de ce matin la proposition qui était faite par la délégation d'Outre-mer qui avait fait un travail très important réalisé par M. Rémy-Louis Budoc d'une étude sur les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux. Et compte tenu de l'importance stratégique que revêt pour la France et l'Europe d'être présente dans les cinq océans et de peser sur les hubs maritimes au moment où la Chine s'investit dans la route de la soie, le bureau a donné son accord pour que cette étude soit transformée en rapport et en avis et présentée en séance plénière le 14 octobre prochain. Nous avons aussi alerté les membres du bureau sur l'aspect un peu de saturation de fin d'année. Il y a des séances dans lesquelles il risque d'avoir deux avis en même temps. Les attachés de groupe nous ont alertés sur les difficultés de suivre les amendements, de l'organisation de la séance. Et donc, bien évidemment, nous aurons peut-être, d'ici le mois de septembre, à voir si nous avons intérêt à adapter peut-être soit une journée supplémentaire de séance plénière, ça peut être une hypothèse, soit une réorganisation de séances plénières permettant de tenir compte de ces séances avec deux avis le même jour. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert et dans lequel on aura l'occasion d'en discuter avec les groupes et les membres du bureau. Nous avons maintenant à examiner le projet d'avis. Je voudrais saluer au banc du gouvernement M. Nicolas Bouillon, qui est le directeur de cabinet adjoint au secrétaire d'État à la réforme territoriale. Nous le saluons, ainsi que Mme Soraya Amrioui, qui est conseillère chargée des finances locales auprès du secrétaire d'État à la réforme territoriale. Et donc, vous êtes tous les deux au cœur d'une actualité, je dirais, brûlante. Et je voudrais, avant de céder la parole au rapporteur, au nom de la section de l'économie et des finances, M. Didier Ridouret, vous faire part d'un débat qui a eu lieu ce matin au bureau et qui a abouti à la volonté du bureau, au contraire, de faire en sorte que cet après-midi soit consacré à cet avis sur encourager l'investissement public des collectivités territoriales. En effet, un certain nombre de membres du bureau, notamment émanant de groupes plus petits, ont exprimé leur désarroi devant la rapidité avec laquelle cet avis leur est parvenu, l'incapacité qu'ils avaient de porter des amendements et le délai extrêmement bref qui les a un peu perturbés et surpris. Après un débat dans lequel il y a eu une expression, notamment du groupe des entreprises, M. Bernasconi, sur la situation sinistrée des travaux publics, j'ai moi-même insisté sur le fait que si nous reportions cet avis au mois de septembre, cet avis n'avait plus d'intérêt puisqu'il sortait de l'actualité, qu'il y avait un vrai débat au moment où aujourd'hui les dotations, la lisibilité de la répartition des pouvoirs fait que l'instabilité et l'absence de vision créent un problème de très grande fragilité du secteur des bâtiments et des travaux publics, mais pas uniquement celui-là, puisqu'il y a aussi des investissements en matière numérique, en matière d'infrastructure. Je rappelle d'ailleurs qu'on l'évoque jamais suffisamment, que l'Allemagne est aujourd'hui en retard d'infrastructures publiques de plus de 100 milliards d'euros et qu'à l'évidence, la croissance a besoin de bases d'infrastructures extrêmement solides. Et donc, c'est un sujet qui nous est apparu à ce point
stratégique, urgent, extrêmement important, et que l'idée que nous avions arrêtée ce matin, c'est de demander évidemment à la section et à son rapporteur de venir nous présenter l'état actuel des travaux, mais bien évidemment, ceci n'interdirait pas que dans le bref délai, et je crois que le rapporteur n'y verra pas d'inconvénient ce que je dis ça, il n'a pas pu aborder la totalité des aspects. Il a été obligé de faire des choix, des stratégies prioritaires. Et s'il y avait certains aspects concernant ce domaine qui mériteraient, selon vous, de pouvoir être approfondis, il y a toujours la possibilité de faire un avis de suite et qui pourrait, à ce moment-là, prolonger les travaux qui ont été réalisés par la section de l'économie et des finances. Voilà ce que j'ai voulu vous dire, cher rapporteur, M. Didier Roederer. Nous sommes parfaitement conscients que c'était une commande de Mme la ministre, Mme Le Branchu, qui, au moment où elle était en train de réfléchir à la répartition des pouvoirs, la répartition des moyens, au moment où entre les collectivités locales et l'État, elle voulait que notre Conseil se saisisse de cet aspect des choses. Et nous avons décidé, compte tenu de l'urgence, de nous en saisir avant même que le Premier ministre, évidemment, le confirme. Et c'est ce qui explique aussi que c'est un délai rapide, mais c'est une demande forte du gouvernement. Et sans plus tarder, je vous invite, Monsieur le Didier Roederer, Monsieur le rapporteur, de bien vouloir venir nous présenter votre avis, l'avis de votre section. La parole est au rapporteur. Mes amis, en juillet 2012, alors que la crise commençait par sa longueur à menacer véritablement les grands équilibres macroéconomiques de notre pays et à peser lourdement sur la dette publique, le CESE, notre conseil, s'était déjà saisi de la question de l'investissement public et j'avais eu l'honneur de présenter devant vous le projet de rapport rédigé au sein de la section de l'économie et des finances. Si vous me permettez l'expression, nous avions malheureusement eu le nez creux en votant ce texte. De fait, la comptabilité nationale révèle qu'après avoir cru de manière quasi continue depuis la fin des années 50, l'investissement public a atteint un point haut en 2013, avant de chuter lourdement en 2014, passant de 85 milliards d'euros à 79 milliards d'euros. Ce mouvement s'explique quasi exclusivement par le retrait des collectivités locales, dont l'investissement est tombé de 50,4 milliards à 45,5 milliards d'euros, soit une baisse de 9,6% en un an. Et les informations plus récentes tirées des budgets primitifs votés par les collectivités laissent craindre une chute de même ampleur en 2015. Cela constituerait un retournement historique, mais surtout une très mauvaise nouvelle pour notre pays qui n'est pas encore sorti de la crise, loin s'en faut. La section de l'économie et des finances a donc souhaité poursuivre son ouvrage sur ce sujet au travers d'un avis se focalisant sur les collectivités locales. De fait, selon le champ retenu, elles réalisent 60 à 75% de l'investissement public. Ce sont les grandes lignes de cet avis qu'en tant que rapporteur, je souhaite évoquer devant vous. On ne peut guérir d'un mal dont on connaît ni la cause ni les mécanismes. C'est pourquoi nous nous sommes attachés dans un premier temps à analyser les raisons de la chute. Nous en avons identifié 5, dont la combinaison en 2014 a provoqué l'effondrement des résistances naturelles. La première cause s'avère clairement structurelle. Avec le remplacement de la taxe professionnelle par la CET, la contribution économique territoriale, et le poids important pris par les droits de mutation, les collectivités sont maintenant entrées dans le cycle économique général. Quand l'économie va mal, leurs ressources reculent, alors même que les dépenses sociales dont elles ont la charge, de leur propre initiative ou suite au transfert de compétences, elles progressent vivement. Il y a là un effet de ciseau redoutable, alors que le budget des collectivités ne peut s'inscrire en déficit, comme vous le savez. Les 4 autres causes relèvent plus du champ institutionnel. Il s'agit d'abord de l'effet du cycle électoral municipal.
Traditionnellement, les une ou deux années précédant les élections sont marquées par une hausse des investissements. Puis, les deux années qui suivent connaissent une chute des investissements. Cet impact négatif prévisible s'est probablement trouvé renforcé par les nombreux changements d'équipe intervenus après les élections municipales de mars 2014 et départementales de mars 2015. Ensuite, du décalage enregistré sur les contrats de plan État-région 2014-2017, dont les premières signatures interviennent seulement depuis le printemps 2015, donc après près d'un an et demi de retard. Puis de la réforme territoriale en cours. La nouvelle carte des régions, mais plus encore la réforme des compétences, toujours en débat, avec le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, suscite inquiétude et incertitude, ce qui génère évidemment une vague d'attentisme parmi les édiles. Enfin, bien sûr, de la forte réduction des dotations de l'État aux collectivités locales. Si l'on intègre la baisse déjà subie en 2014, la participation des collectivités à l'effort global de réduction du déficit public s'établit à 12,5 milliards d'euros à l'horizon 2017, soit une perte cumulée de recettes de 28 milliards d'euros sur 4 ans. Ce dernier montant équivaut à 72% de l'épargne brute dégagée par les collectivités en 2013 et même à plus de 80% de celle prévue pour 2015. Or, cette épargne brute, solde du budget de fonctionnement, constitue aussi le socle de l'autofinancement dont disposent les collectivités pour investir. Entrée dans le cycle économique, perte de visibilité et vif recul de leurs ressources constituent donc les causes principales du choc d'investissement public. À la différence de ce que nous avions diagnostiqué en 2012, les difficultés d'accès au crédit appartiennent au passé. Ces différents constats nous ont d'ailleurs été confirmés par les deux personnalités que nous avons auditionnées, M. André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, et Mme Gabrielle Gauthier, directrice des investissements et du développement local au sein de la Caisse des dépôts. Bien évidemment, le gouvernement a d'ores et déjà réagi face à ces menaces et à l'inquiétude forte des élus locaux. Plusieurs mesures ont été prises que nous sommes attachés à analyser dans un deuxième temps. Par ordre d'importance, il a ainsi été décidé. Deux. Premièrement, rendre plus incitative la mécanique liée au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Ensuite, de majorer la dotation d'équipement des territoires ruraux, puis de mettre en place une aide aux maires bâtisseurs pour encourager la construction de logements en zone tendue, et enfin lancer des conférences régionales de soutien à l'investissement public. D'autres pistes, a priori, sont à l'étude, notamment suite aux demandes de l'AMF. Il s'agit de la création d'un fonds pour l'investissement public local, doté d'un milliard d'euros, ou de la mise en œuvre d'un mécanisme d'amortissement amélioré. Sans entrer dans le détail de ces mesures, aujourd'hui, il nous semble qu'elles vont dans le bon sens, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour laisser espérer une véritable amélioration de l'état de santé du patient. C'est pourquoi nous avons souhaité, dans un troisième temps, soumettre à vos voix quelques préconisations que pourrait porter notre Conseil. Nous les avons voulues peu nombreuses pour ne conserver que celles présentant, a priori, la plus grande efficacité. Et nous n'avons pas constitué en préconisation l'effort déjà engagé en matière de dépenses de fonctionnement, même si nous avons souligné qu'il s'agissait là d'un préalable indispensable et que l'essor de la mutualisation entre collectivités devait permettre de poursuivre le mouvement. Nos préconisations proprement dites peuvent être regroupées sous trois grandes rubriques. La première de ces rubriques rassemble celles qui doivent permettre de desserrer la contrainte sur les budgets d'investissement des collectivités locales. Avec votre accord, le CESE préconiserait tout d'abord de renforcer la mécanique du fonds de compensation pour la TVA en reversant
l'intégralité des montants concernés l'année du fait générateur pour toutes les collectivités s'engageant à maintenir ou à rehausser leur niveau d'investissement. Le CESE considère en effet que, d'une part, le système de remboursement actuel à N+1, voire N+2, peut freiner l'engagement de nouveaux investissements et que, d'autre part, la mécanique de préfinancement partiel à taux zéro n'est pas suffisante pour contrer ce risque. Notre conseil préconiserait par ailleurs d'intensifier et d'accélérer le travail de simplification des règles et normes s'appliquant aux collectivités locales. Les rapports de l'IG de juin 2011, puis Lambert-Boulard d'avril 2013, ont ouvert une voie féconde sur ce sujet en matière de réglementation nationale. Il convient d'étendre aussi cela aux voies de mobilisation des fonds européens structurels et d'investissement. Notre conseil recommanderait ensuite une meilleure utilisation du domaine public et une gestion plus active du patrimoine détenu, afin de dégager de nouvelles recettes locales sans pour autant augmenter la fiscalité. À vrai dire, l'analyse des budgets primitifs semble indiquer qu'un mouvement s'est engagé dans cette voie, avec un ajustement assez fréquent des recettes de stationnement ou de location des équipements publics, par exemple. Ces pratiques nous semblent devoir être encouragées dès lors qu'elles relèvent du simple paiement d'un service rendu. Puis notre conseil militerait pour la définition au plan européen, voire international, d'une valeur du carbone élevée et garantie par la puissance publique, qui permettrait d'orienter les investisseurs privés vers des projets aujourd'hui écologiquement et socialement rentables sur le long terme, mais pas économiquement. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris en cette fin d'année, devrait être l'occasion d'évoquer avec insistance, voire de conclure sur ce point. La deuxième grande rubrique regroupe des préconisations qui doivent conduire à mieux connaître le patrimoine local et donc à améliorer la programmation des investissements. Elles apparaissaient déjà peu ou prou dans le rapport du CESE de juillet 2012, mais nous avons pensé légitime et nécessaire de les reprendre en les adaptant éventuellement au nouvel environnement. À ce titre, si vous l'acceptez, notre conseil préconiserait la mise en place d'un inventaire permanent du patrimoine complet des actifs des collectivités locales. Puis, enfin, d'assurer une meilleure cohérence et visibilité des investissements dans les territoires, ainsi qu'une meilleure articulation avec les actions des différents financeurs en région, le CESE recommanderait que les conférences régionales de soutien à l'investissement deviennent biannuelles, sous réserve de s'assurer qu'elles conduisent bien à recenser les projets et à faciliter leur mise en œuvre. À cette fin, notre conseil demanderait à ce que soit encouragée la mise en place d'une programmation pluriannuelle d'entretien et d'investissement pour les collectivités qui n'en sont pas dotées. Enfin, la troisième et dernière grande rubrique rassemble les préconisations visant à mieux mobiliser les partenaires institutionnels et privés. Le sujet a déjà été abordé avec la mise en place d'un prix élevé du carbone évoqué il y a quelques instants, mais nous avons souhaité être un peu plus ambitieux encore. Si vous acceptez de le voter, le CESE signalerait que l'apport des partenaires privés ne doit pas être écarté a priori et que, sous réserve d'une évaluation préalable détaillée garantissant les bonnes conditions de l'investissement public local, la réalisation de certains d'entre eux sous forme de partenariat public-privé permettrait, dans certains cas, de relancer dans de bonnes conditions l'investissement public local. C'est d'ailleurs le cas du plan européen de relance de l'investissement, dit plan Juncker, qui vise notamment la rénovation énergétique du parc public local, d'après la communication initiale qui avait été faite par la Commission européenne. Nous souhaitions demander une confirmation rapide de cette éligibilité aux instances européennes. Toutefois, depuis la validation de l'avis en section, la publication au journal officiel de l'Union européenne du règlement du plan Juncker semble répondre à cette demande. En revanche, si vous l'acceptiez, le CESE pourrait préconiser l'ouverture tout aussi rapide du guichet de demande de financement en France et
que celui-ci soit la Caisse des dépôts. Enfin, le CESE militerait pour que soient mises en place, dès les prochaines semaines, des plateformes permettant aux collectivités locales de mettre en commun un volume suffisant de projets d'investissement de même nature et de même qualité pour bénéficier de cette mécanique de financement. Je précise bien qu'il s'agirait de plateformes de demande de financement qui ne préjugeraient en rien de l'attribution ultérieure de marché, restant ouvert à toutes les tailles d'entreprises. Voilà pour la liste précise des préconisations que nous soumettons à vos voix. Toutefois, de manière plus structurelle, l'avis de la section économie et finances conclut à la nécessité de rassurer et de redonner de la visibilité aux élus locaux. À cette fin, il nous paraît indispensable de figer pour quelques années au moins l'organisation territoriale française, de ne plus toucher à son mode de fonctionnement une fois la loi NOTRe votée et de ne plus amputer leur budget. De fait, ce n'est qu'au prix de cette relative stabilité que les collectivités locales pourront retrouver la sérénité nécessaire à se projeter dans l'avenir et donc la volonté d'investir. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons maintenant entendre les groupes. Le premier d'entre eux, le groupe Outre-mer. La parole est à monsieur Gérard Grignon. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, chers collègues, chacun le sait, ce n'est pas un scoop, hélas. Nous devons faire face à une baisse brutale de l'investissement des collectivités territoriales, moins 9,6% en 2014. La stagnation de la croissance s'explique en général par la faiblesse des investissements en infrastructure, dans l'éducation, la recherche et l'innovation, ou encore la santé. Or, une société qui n'investit pas est une société qui ne peut que régresser. Le projet d'avis dresse un constat clair et rappelle les principaux enjeux. Comment investir dans un contexte de crise des financements publics? Quels sont les leviers à actionner au niveau local? Comment mieux modifier les différents partenaires institutionnels, les différents partenaires institutionnels et privés. Mais au-delà de ces aspects généraux, il nous faut rappeler que la situation des collectivités ultramarines est spécifique, car elles ont en charge le rattrapage du retard d'équipement, encore considérable dans des domaines aussi essentiels que coûteux, comme le traitement des déchets, l'assainissement, les équipements scolaires, sportifs, ou encore la santé. En outre, ces collectivités ultramarines jouent un rôle fondamental au niveau du développement économique, social et environnemental. De ce fait, les collectivités territoriales ultramarines, de par leur situation géographique, de par leur histoire, du contexte économique et social, disposent de compétences plus étendues que les collectivités hexagonales en matière de charges courantes et obligatoires non compensées. En bref, les besoins sont toujours plus importants alors que nos collectivités se trouvent chaque jour dans une situation plus dégradée. Des mesures structurelles mobilisant l'ensemble des acteurs s'imposent. Les dispositifs exceptionnels d'investissement ou l'incitation fiscale à l'investissement productif font partie des réponses, mais ils doivent pouvoir s'appuyer sur une programmation à long terme, rigoureuse et maîtrisée. Même si ces points spécifiques à l'outre-mer n'ont pu être abordés dans ce projet d'avis, cher Didier, le groupe de l'outre-mer souligne la pertinence des questions soulevées et votera donc le projet d'avis. Merci, monsieur Grignon. Au titre du groupe de l'agriculture, la parole est à madame Annie Bocquet. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, mes chers collègues,
Ainsi que nous l'avions dit en 2012, lors du précédent avis que vous aviez présenté, les investissements publics sont un élément déterminant de la dynamique économique et sociale de notre pays. La vitalité des territoires passe par l'installation et le maintien d'entreprises de services et artisanales et de commerces de proximité, ainsi que par les aménagements indispensables à la mobilité. Bien entendu, la contrainte reste la forte diminution des possibilités financières des collectivités locales et de l'État. Toutefois, pour nous comme pour vous, la mise en place d'une politique cohérente en matière d'investissement sur l'ensemble du territoire est tout à fait essentielle. Les territoires ruraux sont aussi des espaces de projet et d'innovation. Au-delà d'encourager une alliance pertinente des secteurs privés et publics pour maintenir des services aux populations rurales, l'État et les collectivités territoriales doivent accompagner leurs besoins en ingénierie et en investissement et les soutenir financièrement dans la déclinaison des politiques régionales et européennes d'aménagement du territoire. À ce titre, pour le groupe de l'agriculture, pour construire une politique efficace, il est tout à fait important de connaître ses besoins et d'évaluer l'existant. Les préconisations en faveur d'une meilleure connaissance du patrimoine local et d'une amélioration de la programmation vont tout à fait dans le bon sens. Tous les dispositifs qui peuvent apporter une plus grande visibilité des investissements doivent être encouragés. La question de l'accès numérique, qui nous tient particulièrement à cœur, est un exemple d'investissement à réaliser qui illustre parfaitement ce que ce texte présente. Il faut évaluer les besoins des populations rurales, faire l'inventaire des réseaux existants, comprendre les nécessités techniques d'amélioration et encourager les partenariats publics-privés. Sur ce point des partenariats, d'une manière générale, le groupe tient à souligner qu'il est important que l'ensemble des acteurs privés, petites et grandes entreprises, puissent participer aux dynamiques d'investissement et favoriser un cercle vertueux de l'économie locale. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Merci, Madame Bocquet. Au titre de l'UNAF, la parole est à Monsieur Bernard Farriol. Excusez-moi. Au titre du groupe de l'Environnement et Nature, la parole est à Madame Anne de Bettencourt. Excusez-moi, Anne. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers amis, chers collègues, les collectivités territoriales assurent une part essentielle des investissements publics. Elles ont une responsabilité croissante dans la préparation d'un ensemble d'infrastructures et d'équipements qui facilitent et favorisent l'adaptation des habitants et des citoyens aux modes de développement à venir. Même si nous estimons que le projet d'avis n'a pas traité l'ensemble des investissements publics possibles et souhaitables, le groupe Environnement et Nature se prononcera majoritairement en faveur de ce texte. Celui-ci formule un certain nombre de préconisations pour permettre une reprise de l'investissement public local. Le groupe Environnement et Nature apprécie que ce projet d'avis insiste sur l'importance des investissements en faveur d'une transition énergétique. Il en est notamment pour les recommandations qui encouragent l'utilisation des dispositions législatives permettant d'expérimenter des zones de péage urbain. Appel à une valeur élevée du carbone garantie par la puissance publique. Recommandations aussi qui demandent des programmes européens d'investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments dans la ligne du projet de société de financement de la transition énergétique. Le groupe Environnement et Nature remercie le rapporteur et l'équipe administrative pour le travail effectué et l'écoute des diverses propositions. Je vous remercie. La parole au groupe de l'UNAF, à M. Bernard Farriol. Monsieur le Président, Monsieur le Président de section et pour lui, Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cet avis arrive en plein cœur de l'actualité. Après le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques ouvrant un chapitre sur les investissements publics, mais avant la rencontre entre le gouvernement et l'AMF pour plancher sur les modalités d'un soutien financier à l'investissement du bloc communal et ainsi limiter l'impact de la baisse de 12,5 milliards d'euros des dotations de l'État
de 2014 à 2017. Il était donc essentiel que le CESE se saisisse à nouveau de ce sujet de l'investissement public local, même si le groupe de l'UNAF peut regretter que ce travail ait été conduit à marche forcée avec trop peu d'auditions. Mis à part cette réserve, le groupe de l'UNAF soutient les recommandations de ce projet d'avis. L'enjeu des investissements publics locaux est d'importance pour les familles comme pour les entreprises. Comme le souligne justement la Cour des comptes, il existe une insuffisance aujourd'hui d'évaluation socio-économique de ces investissements qui ne peuvent être une fin en soi. Ils doivent être décidés au cas par cas en fonction de leur capacité à relever le potentiel de production de l'économie française, à améliorer les conditions de vie des familles ou à générer des gains de productivité. Le projet d'avis propose des pistes pour y parvenir. Le groupe de l'UNAF retient la proposition qui vise, au niveau européen, à définir un prix du carbone élevé permettant d'orienter les investisseurs privés vers des projets aujourd'hui non économiquement rentables sur court et moyen terme, mais écologiquement et socialement rentables sur le long terme. Payer un prix pour le carbone, c'est, dans les choix d'investissement, faire peser la balance du côté des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la recherche et développement verte. Sur la proposition visant à dégager de nouvelles recettes locales via la création de péages urbains, le groupe de l'UNAF tient à alerter sur la nécessité de prendre en compte les familles à revenus modestes, bien souvent contraintes de s'éloigner des centres-villes, les transports en commun n'étant pas toujours au rendez-vous pour se rendre au travail ou suivre une scolarité et des études. Dans une telle hypothèse, les péages urbains ne doivent pas venir doublement sanctionner ces familles. Enfin, le groupe de l'UNAF tient à souligner que l'investissement public local est important pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle, en permettant le développement des places d'accueil pour les jeunes enfants. Le groupe de l'UNAF remercie M. le rapporteur, mais également l'administration, et votera l'avis. Merci M. Farriol. Au titre de l'artisanat, la parole est à M. Patrick Liébus. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans le contexte actuel, il est nécessaire que les collectivités participent à l'effort budgétaire à travers la réduction de certaines dépenses de fonctionnement et la recherche de meilleure efficience des services publics. Toutefois, avec les effets de la crise qui se prolongent, les collectivités sont confrontées à une hausse de leurs demandes d'aide sociale alors que leurs recettes propres diminuent. Autant d'éléments qui réduisent fortement leur marge de manœuvre pour investir. C'est ainsi que l'on constate un repli de l'investissement public local qui pourrait encore s'aggraver avec la baisse programmée des dotations de l'État d'ici 2017. Cette situation s'avère dommageable face aux besoins de rénovation des infrastructures, des réseaux de distribution d'eau ou d'électricité ou encore de logement, mais aussi les besoins de construction de nouveaux équipements liés à l'éducation, à la santé. L'activité économique des territoires, leur attractivité pour les populations et les entreprises peuvent ainsi se trouver fragilisées à court et à moyen terme par une insuffisance d'investissement public local. Au-delà des mesures annoncées par le gouvernement, l'avis identifie, pour relancer l'investissement, diverses pistes visant à dégager des moyens financiers supplémentaires sans accroître la fiscalité. Optimiser la gestion du patrimoine local, améliorer la programmation et le suivi des investissements, faciliter la mobilisation des fonds européens, etc. L'avis encourage par ailleurs la collectivité à s'appuyer sur des financements privés, en rappelant l'utilité des marchés de partenariat. Il invite également les collectivités à mettre en commun divers projets autour de plateformes leur permettant de prétendre au financement du plan Juncker. Si nous reconnaissons que de tels mécanismes peuvent impulser une dynamique positive en termes d'investissement, leur mobilisation doit toutefois s'opérer avec discernement. S'agissant des partenariats publics-privés, il est indispensable de prévoir une évaluation préalable afin d'analyser autant la qualité que le coût final du projet concerné. L'expérience montre en effet que pour les petits projets, les partenariats publics-privés sont loin d'être rentables.
Dans le cadre du regroupement de projets entre plusieurs collectivités, la plus grande vigilance s'impose face à la tentation de marchés dits globaux, dont le risque serait d'évincer les TPE-PME locales du bâtiment, de l'architecte à l'artisan, de la possibilité de postuler directement. Ces entreprises auraient ainsi pour seule alternative de se trouver en situation de sous-traitance, dont les multiples travers sont bien connus. Au final, la relance de l'investissement public local exige de rechercher de nouveaux leviers de financement des collectivités. Pour autant, ces objectifs ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité de rechercher à la fois l'efficience des investissements et la qualité des projets, mais aussi celle de relancer de façon pérenne l'activité et l'emploi dans les territoires et non de fragiliser les entreprises locales. Le groupe de l'artisanat regrette que la ville n'ait pas exploré cette dimension qualitative de l'investissement public local. Il s'abstiendra donc sur cet avis. Merci, Monsieur Liebus. Au titre de la CFTC, la parole est à Monsieur Philippe Louis. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'actualité européenne démontre la nécessité de mieux maîtriser les dépenses publiques. La réduction indispensable de la dette de l'État conduit à la baisse de l'investissement public et donc une contribution accrue des collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc dépenser et investir différemment. La réforme territoriale en cours s'ajoute à ces problèmes. Pour la CFTC, il est impératif que soient précisées les compétences de chaque entité afin de ne pas générer les mêmes erreurs que dans le passé. Nous pensons, et c'est un des aspects du principe de subsidiarité, que les collectivités territoriales doivent prendre davantage soin des infrastructures lorsqu'elles leur sont confiées. Cet avenir incertain n'incite pas les élus à s'engager. Le fonds de compensation pour la TVA pourrait jouer un rôle important si la mécanique instaurée s'avère simple, tant en matière de demande de prêt que de justification des dépenses éligibles. En ce qui concerne la mobilisation des fonds européens, l'instauration d'un guichet régional semble une piste intéressante s'il ne constitue pas une nouvelle strate ou de nouvelles défenses, bien entendu. La valeur carbone peut s'avérer difficile pour orienter les investissements au seul plan national. L'expérience a montré que si cette piste n'est pas définie au plan européen, elle peut engendrer des distorsions de concurrence. Il convient de ne pas négliger l'atout que constitue le coût de l'énergie. Pour la CFTC, le niveau régional constituerait un bon échelon pour identifier et faciliter la mise en œuvre des projets. Il est important de veiller à ce que la transposition de la directive européenne sur les marchés publics n'aboutisse pas à étouffer les petits programmes en partenariat public-privé. L'ensemble de ces préoccupations sont bien résumées dans le projet d'avis. Notre groupe émettra un avis positif. Merci, Monsieur Louis. Au titre de l'UNSA, la parole est à Monsieur Luc Berille. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, l'avis qui est soumis à notre Assemblée nous plonge au cœur d'une problématique très actuelle, celle du lien complexe qui unit croissance et investissement. Je n'évoquerai évidemment pas le problème grec qui nous amènerait très loin dans notre sujet, mais simplement la situation française. Si dans notre pays, les bons chiffres de croissance enregistrés au premier trimestre 2015 font d'une espérance raisonnable d'amélioration, que ceci se confirme en tendance durable sera sans doute en large partie dépendant de l'investissement. L'investissement privé, qui reste aujourd'hui très frileux, l'investissement public aussi, et c'est lui que l'avis nous propose d'explorer à travers celui des collectivités territoriales qui en occupent la part du lion, puisqu'il représente à lui seul près de 70% du total de l'investissement public, jouant un rôle d'entraînement économique essentiel pour des secteurs entiers, et notamment ceux des travaux publics et du bâtiment.
La ville met en avant, dans un contexte de hausse des dépenses d'intervention sociale et parallèlement de restrictions budgétaires pour faire face au déficit public, l'investissement des collectivités a logiquement chuté, et même fortement chuté, puisque le rapporteur l'a rappelé à l'instant, il s'est réduit de 9,6% en un an. Au-delà de la force du chiffre, la vie en analyse les causes multiples et qui ne s'arrêtent donc pas à la seule explication des baisses de dotation de l'État, pour importantes qu'elles soient. Pour en limiter les effets négatifs sur l'investissement, l'État a d'ailleurs mis en place plusieurs dispositifs correcteurs visant particulièrement les zones rurales ou les zones urbaines sensibles. C'est d'ailleurs sans doute un des points intéressants de l'avis que d'essayer d'en mesurer l'efficacité, une efficacité qui semble d'ailleurs relative, même si, il faut le reconnaître, on manque quand même de recul pour avoir des résultats totalement probants. Mais au-delà des constats, ce sont les préconisations qui sont évidemment les plus attendues et nous mesurons à l'UNSA la difficulté de l'exercice. Je ne vais pas les passer toutes en revue, mais elles nous semblent de portée et d'ampleur inégales, par exemple celle concernant la connaissance du patrimoine local qui nous paraît relativement marginale quant aux effets recherchés sur le dopage de l'investissement. L'UNSA apprécie par contre les recommandations concernant le plan Juncker, qui peut être un important soutien à l'investissement public, c'est sa vocation d'ailleurs, mais dont la conception implique que les collectivités, si elles veulent en tirer bénéfice, prennent la mesure des efforts mutualisés de conception qu'elles doivent mener. Encourager l'investissement, c'est bien sûr en huiler la mécanique et les rouages pour le faciliter, c'est aussi un état d'esprit à travailler pour le concevoir, mais tout le monde sait bien que sans les fonds qu'ils permettent, les encouragements ne suffisent pas, et cet état de fait pèse évidemment sur les recommandations de l'avis dont les effets ne peuvent aller jusqu'à pallier ce manque qui est largement aujourd'hui la difficulté majeure. L'avis nous le donne à voir lorsqu'il évoque l'actuel programme de réduction des déficits publics à hauteur de 50 milliards en 3 ans et ses effets sur les dotations aux collectivités et donc en partie sur leurs investissements. Un choc, c'est le terme que l'avis utilise pour le qualifier. Nous espérons en tout cas à l'UNSA que les problématiques de cet avis diffuseront un peu dans le débat public. Lorsqu'on sait que d'aucuns y avancent aujourd'hui des chiffres d'économies à réaliser de 100, voire même de 150 milliards, avouons que, pour n'en rester qu'aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'investissement, cela laisse au mieux songeur et au pire plus qu'inquiet. Nonobstant ces considérations, l'UNSA votera l'avis. Merci, Monsieur Berry. Au titre de la CGT, la parole est à Monsieur Denis Durand. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce projet d'avis a été préparé dans l'urgence alors que rien ne l'imposait, puisque la saisine gouvernementale qui était à son origine a finalement été retirée. La qualité des débats préparatoires s'en est ressentie et le résultat final également. Le sujet est important. Les collectivités territoriales réalisent près de 60% de la FBCF des administrations publiques. Est-ce que vous pourriez baisser le micro, s'il vous plaît ? Merci. Mais les restrictions budgétaires placent les collectivités territoriales dans une situation de plus en plus difficile qui les empêche de maintenir leur effort d'investissement. Et pourtant, il y va de la qualité des services publics, qui sont elles-mêmes une condition du bien-être de nos concitoyens, et qui sont aussi un remède, qui pourrait être un remède aux tendances déflationnistes qui empêchent nos économies de rétablir la confiance et de sortir durablement de la crise. Une étude statistique récente des services du FMI confirme que dans des économies comme les nôtres, où la production est inférieure à son potentiel, développer l'investissement public est un moyen efficace de stimuler la création d'emplois, et donc par là d'accélérer la création de richesses, ce qui a finalement pour effet de réduire la dette publique en proportion du PIB, mais à deux conditions, que les investissements ainsi financés soient économiquement efficaces et qu'ils soient financés par l'emprunt, dit le FMI, et non par des augmentations d'impôts ou des réductions d'autres dépenses. Pour sa part, la CGT est favorable à une sélection démocratique des dépenses publiques en fonction de leur efficacité économique, sociale et environnementale. Ces critères devraient primer sur les règles actuelles qui poussent plutôt à l'attribution des marchés publics au moins 10 ans. Mais dans ce cas, si ces critères étaient respectés, le financement des investissements ainsi sélectionnés ne devrait pas dépendre des marchés financiers, mais il devrait faire appel à la création monétaire des banques et des banques centrales. De ce point de vue, le précédent avis
présenté par notre collègue en 2012 et que la CGT n'avait pas voté à l'époque, nous étions abstenus, contenait des indications intéressantes, même si nous étions donc abstenus. Hein. Et parmi ces préconisations intéressantes, il y avait en particulier un appel à la responsabilité sociale du système bancaire. Alors, on ne trouve pas trace de ces recommandations dans le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui. En revanche, les préconisations les plus contestables du précédent sont de nouveau mises en avant. L'externalisation de certains services, dont le rapporteur attend à tort une réduction des coûts de fonctionnement de l'administration, développement des péages urbains, recours aux marchés financiers pour financer la transition énergétique, réhabilitation des partenariats publics-privés malgré l'expérience abondante rencontrée en la matière. Alors, nous saluons les efforts du rapporteur pour prendre en compte les objections que certaines de ces préconisations ont suscitées de la part de nombreux membres de la section de l'économie et des finances. Mais, faute d'un débat plus poussé, ce point d'aboutissement que représente le projet qui nous est soumis aujourd'hui ne peut pas satisfaire la CGT. Donc, compte tenu de cette appréciation et compte tenu des conditions d'élaboration de l'avis, la CGT émettra un vote défavorable. Merci, Monsieur Durand. Au titre des associations, la parole est à Monsieur Hubert Allier. Monsieur le Président, chers collègues, l'investissement public global, stable pendant de nombreuses années à 3%, subit depuis 2013 une baisse significative. Cette baisse touche particulièrement l'investissement des collectivités locales. Les administrations locales sont à nouveau sollicitées à hauteur de 11 milliards d'euros pour viser à réduire le déficit public. Cumulé avec la baisse de 2014, c'est 28 milliards d'euros en moins à fin 2017. C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie. Nous savons en effet combien l'investissement, qu'il soit public ou privé, est nécessaire pour préparer l'avenir. De plus, les mécanismes de la comptabilité publique font que l'autofinancement dégagé du fonctionnement va mathématiquement diminuer étant donné le poids des dépenses de fonctionnement dans les dépenses des collectivités locales. Ce n'est pas bon. Comment limiter le choc sur l'investissement ? Tel est l'objet du présent avis. Au regard des préconisations, l'effort soutenable sur les dépenses de fonctionnement doit être poursuivi. Le groupe des associations tient cependant à rappeler que la contrainte financière réelle et inévitable doit être mesurée au regard du danger de dislocation sociale. À cet égard, nous ne pouvons soutenir la mutualisation des compétences promues par l'essor de l'intercommunalité ainsi que par la fusion des communes pour les communes nouvelles. Ces mutualisations permettent le maintien de la dotation budgétaire sur 3 ans si elles sont effectuées avant le 1er janvier 2016. Plus particulièrement, nous soutenons les préconisations suivantes. Orienter les investisseurs privés vers des projets non économiquement rentables sur le court terme, mais écologiquement et socialement rentables sur le long terme. La Commission européenne, concernant le plan Juncker, mentionne explicitement la rénovation énergétique des bâtiments publics comme pouvant bénéficier de ces financements. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques pouvant jouer le rôle envisagé par la Société de financement de la transition énergétique mise à l'étude actuellement en France. Par leurs effets indirects, de tels projets contribueraient au redressement du déficit public. Mettre en place un inventaire permanent du patrimoine complet des activités d'une collectivité locale. Ceci permettrait d'évaluer les travaux de rénovation ou de transformation à effectuer et de réaliser les investissements à l'échelon local par la mise en place d'une programmation pluriannuelle d'entretien et d'investissement. Organiser des conférences régionales biannuelles de soutien à l'investissement. Le groupe des associations regrette que d'autres champs d'investissement générateurs de richesses tels que la culture ou le tiers secteur n'aient pas été suffisamment analysés. Malgré les conditions dans lesquelles ce projet d'avis a été produit, le groupe des associations le votera. Merci, monsieur Allier.
Au titre de la CGT-FO, la parole est à Monsieur Belanca, et je profite de sa montée en tribune pour vous indiquer qu'il n'y a pas, Monsieur le rapporteur, d'amendement déposé sur votre texte. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, mesdames et messieurs, ce projet d'avis appelle de la part du groupe Force ouvrière un certain nombre de remarques à la fois de forme et de fond. Sur la forme, et sans méconnaître l'importance de l'investissement public dans l'économie de notre pays, y avait-il une telle urgence à traiter ce sujet ? Au point de mener de front, au sein de la section économie et finances, ce projet est celui du rapport sur l'état de la France 2015, dont chacun sait que c'est un travail très lourd. Certes, au départ, il s'agissait vraisemblablement d'une saisine gouvernementale, ce qui, in fine, n'a pas été le cas. Dès lors, il aurait pu être plus raisonnable de prendre le temps du débat dans des conditions plus favorables et d'échanger de qualité dans une prise en compte plus large des différentes sensibilités et donc d'envisager une présentation en plénière plus tardive. Sur le fond, cet avant-projet d'avis dresse un constat que nous pouvons partager sur la situation financière des collectivités territoriales et leur capacité à investir du fait, entre autres, des réductions de dotations globales de fonctionnement au nom des 50 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques programmées. En revanche, il est plus discret sur le pendant des économies en termes de financement du CICE, des dépenses fiscales et des nouvelles réductions de cotisations sociales consenties aux entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. Il est clair que la dépense publique participe aussi à la vie économique et qu'une telle saignée sans évaluation ne pouvait à terme qu'aboutir à une baisse d'investissement dans la mesure où, s'agissant du fonctionnement, les suppressions d'emplois finissent par trouver leurs limites. Le groupe Force ouvrière partage quelques-unes des préconisations envisagées, notamment en matière de projets d'investissement concernant la transition énergétique dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques ou encore sur la mise en place d'un inventaire permanent du patrimoine des collectivités territoriales. Néanmoins, d'une manière générale, bien qu'appelant à une stabilité de l'organisation du territoire à l'avenir, ce projet d'avis fait l'apologie implicite des réformes en cours et des celles à venir, telles que la loi NOTRe. Des solutions en bon nombre de difficultés sur les sujets sont visiblement attendues à travers la création de plateformes de regroupement des communes afin de faciliter la réalisation des projets à taille critique. Pour le groupe Force ouvrière, nous voyons mal comment l'éloignement du lieu de prise de décision permettra l'égalité d'accès à certains équipements partout sur le territoire. De plus, beaucoup de préconisations entérinent implicitement la mort programmée des communes. Comme trop souvent, la piste principale envisagée pour dégager des marges de recettes et des réductions de dépenses de personnel à travers l'externalisation de bon nombre de missions assurées par les fonctionnaires territoriaux ou encore des péages urbains qui aboutissent à une sélection d'accès aux villes en fonction des moyens. Parmi les préconisations, nous observons encore un appel à de nouvelles simplifications des normes et des règlements. Pour mémoire, l'article 40 de la loi de simplification de la vie des entreprises prévoit que les collectivités territoriales puissent confier l'encaissement de certaines recettes à des organismes privés. Faudrait-il envisager de simplifier aussi le contrôle de la dépense publique ou l'accès au marché public ? Le groupe Force ouvrière est également réservé sur le recours au partenariat public-privé, considérant que trop d'exemples récents incitent à une grande prudence. Pour toutes ces raisons, le groupe Force ouvrière s'abstiendra sur le projet d'avis. Merci, Monsieur Belanca. Au titre des entreprises, la parole est à Monsieur Roger Mangeroux. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Didier, chers collègues, encourager l'investissement public dans les collectivités territoriales, plus qu'un sujet d'actualité, n'y a-t-il pas là un véritable défi ? Au moment où l'argent public se fait rare, où la dette de l'État atteint des sommets jamais égalés, l'actualité de la Grèce nous le rappelle d'ailleurs cruellement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer la qualité du travail accompli par le rapporteur et la section qui nous a permis d'aboutir dans des délais, vous l'avez tous rappelé, extrêmement brefs, à un avis équilibré sur une question cruciale pour l'avenir des territoires et la vie quotidienne des citoyens. Sujet crucial, en effet, car les collectivités locales sont le plus gros investisseur public, y compris devant l'État. C'est en grande partie de leur action, de leur gestion, que dépend la qualité de nos infrastructures, routes, équipements, du logement, de nos services publics, tout en rappelant que nos PME, PMI, TPE
éprouvent un besoin urgent d'obtention d'appels d'offres et des commandes. À ce jour, le manque est crucial, avec une implication inéluctable sur la pérennité et l'emploi. Le CESE ne pouvait donc pas faire l'économie d'une telle saisine. J'en viens maintenant au projet d'avis lui-même. Nous approuvons le constat du rapporteur selon lequel le contexte général, crise économique, baisse de la dotation de l'État, les transferts de compétences de l'État sans contrepartie financière, explique en grande partie la baisse régulière des dépenses d'investissement des collectivités, tendance qui s'est accentuée en 2014 et se confirme encore en 2015. Tout comme le projet d'avis le rappelle expressément, et malgré un contexte économique toujours contraint, le groupe des entreprises considère qu'il est urgent et nécessaire d'inverser cette tendance, mais sans que cela se traduise par une hausse de la fiscalité locale, pesant sur les entreprises et les ménages. Si la recherche des baisses de dépenses de fonctionnement reste incontournable, elle ne saurait à elle seule redonner suffisamment de souffle au budget des collectivités. Les marges de manœuvre en la matière sont en effet insuffisantes, étant donné l'ampleur de la tâche, et cela malgré tout le travail déjà accompli avec et par la Caisse des dépôts, tant en termes de financement que d'accompagnement des projets. C'est pourquoi, comme le propose le projet d'avis, après les mesures récentes de compensation mises en place par le gouvernement, d'autres voies doivent être exploitées pour relancer sans tarder l'investissement des collectivités locales. Le groupe des entreprises approuve donc sans réserve les recommandations du projet d'avis en faveur d'un renforcement du fonds de compensation pour la TVA, le recours au plan Juncker, le recours au partenariat public-privé et la définition d'une valeur carbone au niveau européen. Enfin, parallèlement à ces mesures techniques, le groupe des entreprises tient lui aussi à rappeler qu'aucune relance durable de l'investissement public des collectivités ne pourra se faire sans un retour de la confiance. Or, ce préalable nécessaire suppose lui-même un engagement fort de l'État en faveur d'une réelle stabilité réglementaire et législative pour renouer, en effet, cette prévisibilité est le socle indispensable pour renouer avec la volonté d'investir des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Comme vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, le groupe votera le projet d'avis. Merci. Merci, Monsieur Mongereau. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à Monsieur Dominique Richard. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, ce projet d'avis est le bienvenu au moment où la faiblesse globale de l'investissement public laisse planer de nombreux nuages sur nombre de secteurs de l'économie, sur la capacité de notre pays à s'équiper pour demeurer concurrentiel. Les collectivités locales, premières investisseurs publics, jusqu'à près de 80% selon les indices, permettent notamment au secteur rural le maintien d'activité dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'horticulture et j'en passe. Mais elles sont entrées dans une zone de turbulence aux causes multiples et protéiformes. Conjoncture économique générale, taux d'endettement public, baisse des dotations de l'État et explosion des dépenses obligatoires, notamment pour les départements. Baisse continue de l'autonomie fiscale depuis une quinzaine d'années. Raison auxquelles il faut ajouter l'effet conjoncturel des renouvellements de mandats municipaux, départementaux et régionaux qui, traditionnellement, portent en eux une pause d'investissement. Malgré des taux d'emprunt historiquement bas, nombre de collectivités annulent des projets ou, concernant les départements qui doivent faire face à des charges sociales exponentielles, sabrent leur budget route, construction de collèges, subventions aux communes, alors que ces dernières constituent un formidable levier de l'investissement local. On peut regretter qu'en ne s'attaquant pas de front à la clause de compétence générale, source d'éparpillement des moyens publics et surcoût sur les frais d'instruction et de mandatement, la loi NOTRe soit passée pour l'essentiel à côté des espoirs qu'elle avait suscités. Parallèlement, côté recettes, les collectivités locales sont confrontées à un véritable effet de ciseau, baisse des dotations de l'État et moindre autonomie fiscale. On est, je le pense, légitime aujourd'hui à se demander si le principe constitutionnel défini par l'article 34 et 72.3 de la loi suprême de libre administration des collectivités n'est pas de facto
battue en brèche du fait de l'absence de réelle marge de manœuvre entre explosion des dépenses obligatoires et perte de capacité à lever l'impôt. C'est à une recentralisation de fait que nous assistons, souvent impuissants, en parfaite contradiction avec le Code général des collectivités territoriales qui dispose pourtant que la part des ressources propres ne doit pas être inférieure à celle constatée en 2003. Alors, dans un tel contexte, vous ne manquez pas de courage, chers collègues, et chacun a conscience que la question est vraiment surtout structurelle. Pour autant, votre contribution est bienvenue, vos analyses et propositions méritent, de mon point de vue, de prospérer, notamment la question de la stabilité réglementaire et normative qui génère attentisme. La question de la capacité d'ingénierie des petites collectivités, par exemple, pour avoir la capacité à s'inscrire dans le plan Juncker, l'élargissement de la base du fonds de compensation de la TVA, la réhabilitation des partenariats publics-privés qui ne sont ni solution miracle, ni grand Satan. Oui, toutes ces propositions vont dans le bon sens, et c'est la raison pour laquelle je les voterai. Merci, Monsieur Richard. Au titre de la CFDT, la parole est à Monsieur Philippe Pusseau. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'investissement public est essentiel au développement économique et social et à l'attractivité des territoires. C'est pourquoi la baisse très sensible de la part des collectivités locales est inquiétante, alors qu'elle représente environ les trois quarts des investissements publics. Cette baisse, si elle se poursuit au rythme constaté ces deux dernières années, compromet les capacités d'équipement des collectivités locales, détruit des emplois, notamment dans le secteur du BTP, et par manque de mise en chantier, et ne permet pas la création d'emplois induits par la création de nouvelles infrastructures. La section s'est attachée à cerner les causes essentielles de cette situation. L'avis, conforté par les auditions, notamment celle de M. Léniel, permet de moduler une idée généralement dominante. Les problèmes rencontrés par les collectivités locales sont moins liés à des difficultés d'accès au financement par les banques et investisseurs qu'à un manque de capacité d'investissement du fait de la réduction de leur épargne brute. Restaurer des capacités de financement en pesant sur les frais de fonctionnement trouve vite ses limites, tant la situation actuelle est marquée par une baisse des dotations de l'État et la progression des frais de fonctionnement générés pour beaucoup par des facteurs exogènes à la collectivité locale, c'est le cas des dépenses sociales. Des efforts de rationalisation de gestion sont sans doute encore possibles, mais pour la CFDT, ils ne seront significatifs que lorsque la mutualisation des services entre collectivités, aidée par l'État, sera effective. Cela suppose de dépasser les rivalités et l'éparpillement des moyens générés par le nombre de collectivités locales en France. Cependant, cette rationalisation ne peut à elle seule résoudre le problème du sous-investissement actuellement constaté, dont une des raisons provient, comme le suggère en conclusion l'avis, d'un manque de confiance dans l'avenir. Confiance que des recettes liées à la croissance durable que pourraient initier les collectivités locales avec des incitations de l'Union européenne contribueraient certainement à restaurer. Pour la CFDT, ce n'est donc pas dans la recherche d'économie que l'avis montre le plus de pertinence, mais bien dans celle cherchant à créer des effets de levier qui, dans un contexte de reprise économique molle, redynamiserait ce pan essentiel de l'économie française. À cet égard, nous partageons les préconisations qui ne demandent pas plus d'intervention de l'État, mais des solutions visant à renforcer et simplifier l'accès aux mesures gouvernementales déjà existantes ou prévues et éventuellement, ce pourrait être le cas pour le fonds de compensation de la TVA, à en élargir l'assiette. Nous sommes également convaincus que la reprise des investissements sera confortée par des dispositions favorisant les projets dans la transition énergétique et le développement durable. Outre la nécessité absolue de progresser en ce domaine, ce type d'investissement a pour vertu, en effet, de générer des économies futures de fonctionnement. Vous l'avez compris, la CFDT votera l'avis. Merci, M. Michaud. Au titre de la coopération, la parole est à M. Denis Verdier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comme notre Assemblée l'avait d'ailleurs déjà souligné en 2012,
la chute de l'investissement public, et tout particulièrement de l'investissement local, opère une reprise économique qui est évidemment tant espérée. Elle fait notamment peser un danger important sur les secteurs qui s'appuient sur les projets d'investissement des collectivités locales et sur l'ensemble des entreprises dont les coopératives qui sont ancrées dans les territoires et sont d'importants pourvoyeurs d'emplois. Nous avons, ça a été dit tout à l'heure, malheureusement dû traiter ce sujet d'importance pour l'avenir de nos territoires avec une grande rapidité. On sait pourquoi ça a été dit. Mais si le constat est clairement dressé de nos préconisations auraient mérité d'être plus complètes au-delà des modalités de technique de financement. Parmi celles-ci, nous sommes, en ce qui nous concerne, particulièrement attentifs à garantir l'égalité d'accès pour les TPE, pour les PME, que ce soit dans le cadre de la transposition des directives européennes, marché public ou en perspective du plan Juncker. De ce point de vue, on comprend l'inquiétude qui a été dite par nos collègues du groupe de l'artisanat. C'est une priorité qui devra être abordée dans les groupes de travail mis en place au sein des préfectures. Composé d'organisations interprofessionnelles et professionnelles et de maîtres d'ouvrage, ils doivent étudier territoire par territoire les possibilités d'investissement public, notamment en matière d'infrastructure. Dans un contexte de forte diminution des investissements des collectivités locales, nos coopératives de travaux publics viennent de proposer plusieurs pistes aux médiateurs des marchés publics pour améliorer la commande publique. SEBA à la française, délai de paiement, valorisation du label RSE, et ont alerté sur la concurrence déloyale via les travailleurs détachés qui mettent en péril bon nombre de PME, notamment coopératives. D'une façon générale, nous partageons votre volonté, monsieur le rapporteur, de définir une orientation stratégique et programmée des investissements à l'échelon local. Nous soutenons un ciblage des investissements sur les secteurs économiques créateurs d'activités et d'emplois dans les zones les plus fragiles de nos territoires, en zone rurale ou dans les quartiers urbains les plus défavorisés. Ainsi, la modernisation de nos infrastructures, notamment les voies capillaires des réseaux ferroviaires et l'accessibilité numérique doivent être priorisées pour renforcer l'attractivité de nos territoires et permettre aux entreprises et à nos coopératives, notamment agricoles, de poursuivre leur développement. Par ailleurs, nous partageons la nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement, de poursuivre le travail de simplification des règles et des normes et de stabiliser notre organisation territoriale et son mode de financement. En effet, l'investissement, qu'il soit privé ou public, doit s'inscrire dans une dynamique de confiance et de visibilité à moyen terme. Malgré donc un certain nombre de réserves, monsieur le rapporteur, notre groupe votera majoritairement votre projet d'avis. Merci, monsieur Bernier. Au titre des professions libérales, la parole est à madame Dominique Riquier-Savage. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues, face à un niveau record de sa dette publique globale, l'État réduit ses dotations aux collectivités locales, avec comme conséquence pour elles un tassement de leurs dépenses de fonctionnement et surtout un vif recul de leur investissement. Or, l'investissement des collectivités locales représente environ les trois quarts de l'investissement public. L'avis qui nous est soumis aujourd'hui confirme la menace qui plane depuis quelque temps. En effet, de plus en plus étranglées en matière sociale par des demandes en hausse du fait de la crise et des ressources fiscales propres en baisse, les collectivités locales voient leur marge de manœuvre réduite. Comme le rappelle l'avis, leur stratégie se résume à un choix entre augmentation de la fiscalité locale, diminution de leurs dépenses de fonctionnement et ou d'intervention sociale, recours à l'emprunt et ou baisse de leurs dépenses d'investissement. Par ailleurs, la période n'est guère propice à des projets d'investissement du fait notamment de l'impact du cycle électoral, municipal, départemental et régional, du fait de l'instabilité législative et réglementaire consécutive à l'inflation de textes et de normes qui donne une instabilité juridique, du fait aussi de l'interprétation
jurisprudentielle des textes, du fait enfin de la réforme territoriale, dans quel cadre seront exercées les compétences, quel type de compétences seront dévolues. Le défaut de confiance est également un frein à l'objectif d'investissement. Seule une visibilité à moyen-long terme permettra de relancer la machine. L'avis préconise entre autres l'accélération du travail de simplification des règles et des normes s'impliquant aux collectivités locales. Cette préconisation vaut d'ailleurs pour tous les publics, pas seulement pour les collectivités locales. Mais il faut veiller à ce que la simplification n'élimine pas des outils de qualité. L'avis préconise un inventaire du patrimoine des collectivités locales. Nous y sommes favorables, mais nous pensons utile de rappeler que cet inventaire doit s'accompagner d'un diagnostic global, indépendant, éclairant la maîtrise d'ouvrage dans ses choix afin de disposer d'un projet raisonné. Le groupe des professions libérales émet une réserve très forte sur l'ampleur et la portée des dispositions sur les marchés globaux. Il est évident aujourd'hui que la motivation est de pouvoir continuer à investir alors que le niveau d'endettement élevé ne le permet plus, grâce à l'artifice comptable permettant de ne pas faire apparaître qu'une partie de la dette dans la comptabilité publique. Nous avons un retour de 9 ans sur les contrats globaux du type PPP en France et de 15 ans en Angleterre. Le constat est éloquent. Une concurrence inégale, des coûts hors contrat incontrôlables, des loyers qui explosent et un impact économique final non maîtrisable et fiscalement intenable, mettant en péril les finances des collectivités à moyen ou long terme. Nous craignons effectivement que nos TPE, PME, entreprises dits bâtiments, forces de nos territoires, soit face à une inégalité d'accès et de voir se fragiliser des centaines de milliers d'emplois. Pour le groupe des professions libérales, l'optimisation des qualités et performances d'un projet, notamment de bâtiments, suppose l'intervention d'une maîtrise d'œuvre compétente, responsable et indépendante au seul service des maîtres d'ouvrage publics. Le groupe des professions libérales, conscient de la crise grave qui touche le bâtiment et particulièrement nos professions du cadre de vie, regrette l'ambiguïté de certaines préconisations de l'avis et il ne pourra que s'abstenir. Merci Madame Riquet-Savage. Enfin, dernier orateur inscrit, la parole est au groupe CFE-CGC, à Monsieur Michel Lamy. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le poids de l'investissement public dans le PIB était stable depuis 30 ans, un peu au-dessus de 3%, mais cela grâce à un accroissement des engagements des collectivités locales. Or, l'accroissement de la dépendance financière des collectivités territoriales vis-à-vis de l'État et leur difficulté d'accès au crédit, en lien avec la réglementation BAL 3, malgré tout, augure mal de l'avenir. À l'horizon 2017, les dotations annuelles aux collectivités locales auront chuté de 11 milliards d'euros. Malgré un tassement des dépenses de fonctionnement et en raison d'une hausse des dépenses d'intervention sociale, non compensées par l'État, c'est finalement l'investissement des collectivités locales qui paiera l'essentiel de la note liée au désengagement de l'État. Les ressources fiscales des collectivités locales se tassent en raison de la crise, alors même que les besoins de soutien sociaux explosent. Quant à la réforme territoriale censée générer d'importantes économies de fonctionnement, il reviendra à terme de juger l'ampleur éventuelle de celle-ci. Et l'on sait par expérience qu'en général, ces types de réformes passent dans un premier temps par une augmentation des coûts. Le risque est fort de voir l'investissement des collectivités locales diminuer significativement et durablement, alors qu'il est indispensable aux grands équilibres du pays. L'avis proposé aujourd'hui nous invite à la mise en place de quelques mesures visant avant tout à limiter un peu la casse. Mais si elles peuvent être utiles, pour autant, elles ne résolvent rien. En plus, elles sont assez ciblées vers l'aide aux maires bâtisseurs. C'est bien, mais il ne s'agit pas du seul domaine d'investissement nécessaire. Sont mises sur la table des préconisations du type gestion active du patrimoine urbain, que l'on pourrait traduire par les termes d'aliénation de biens publics, ou la mise en place de péages urbains. Pour le moins, ces points et bien d'autres auraient mérité des discussions approfondies quant aux conséquences collatérales de ces préconisations.
Nous vous en faisons pas grief, monsieur le rapporteur, car le temps qui vous a été donné pour réaliser cet avis était notoirement insuffisant. Mais on peut aussi s'interroger sur ce choix de l'État de ponctionner 11 milliards d'euros chaque année aux collectivités territoriales, sans même se rendre compte que ce faisant va fortement accentuer les inégalités territoriales. Plus de temps aurait sans doute permis de mieux cerner ces problèmes et de rechercher des solutions alternatives. À propos, où est donc passée la chasse aux dépenses fiscales, autrement dit les niches, notamment ces mesures censées booster l'emploi qui sont avant tout des effets d'aubaine ? Prisonnier des délais et de la feuille de route, monsieur le rapporteur, vous n'en voudrez pas à la CFE-CGC de s'abstenir. Cet avis mériterait pour le moins un avis de suite pour étudier sereinement le sujet plus à fond. Merci, monsieur l'ami. Donc, confirmant qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur votre texte et constatant qu'il n'y a plus de demande de parole, je déclare donc le scrutin ouvert. Y a-t-il encore une demande de vote ? Je déclare donc le scrutin clos et proclame les résultats. Vous avez 160 votants, vote contre 11, votre abstention 34, vote pour 115, monsieur le rapporteur, monsieur le vice-président. Votre avis est adopté. La parole est au vice-président, monsieur Roger Bongereau, à la place du bord du gouvernement. Je vous en prie. Oui, merci. Ben, je voulais simplement remercier au nom du président Martin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, toute la section et le rapporteur, parce que c'est vrai que tout le monde l'a rappelé, les délais étaient très contraints, mais enfin tout le monde était conscient du problème au moment où la section a décidé de continuer et d'aller jusqu'au bout de cet avis. Donc merci à tous et j'invite la section à nous rejoindre, les membres de la section à nous rejoindre après la séance. Merci. Merci, monsieur Bongereau. Je vous rappelle que le prochain bureau aura lieu le 8 septembre à 9h30. La séance sera consacrée à l'évaluation des politiques publiques et la séance du mercredi 9 au biomimétisme. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance.